Je pense qu'on peut y aller. Hein. Pas d'idée particulière. J'ai pas prévu de faire quelque chose de spécial, je pense. Juste si c'est possible de savoir si vous avez un zob dans le cul. Donc salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo comme d'habitude. Petite vidéo quotidienne, j'ai envie de vous dire. Sur Hellcase, on a 1509€ exactement à jouer. Mais avant que cette vidéo commence, comme d'habitude, elle est sponsorisée par votre singe, skin Monkey, Amdoula. Site sur lequel vous allez pouvoir trade vos skins et récupérer des skins que vous préférez. D'ailleurs, il y a une Awapazimov en giveaway, comme d'habitude, sur la vidéo précédente et celle-ci. Pour participer, il faut liker, vous abonner et commenter tout simplement. Et voilà, une fois que vous l'aurez récupéré, 105$, vous pourrez l'échanger contre un couteau par exemple, ou peu importe ce qui vous fait plaisir. Bénéficiez de 35% de bonus au dépôt grâce à mon code, ou 5$ gratuit. C'est en description. Voilà, je pense que le téléachat est terminé. C'est bon, on va pouvoir des caisses maintenant, non? Alors, nous on est parti. On va commencer tranquillement par une Wintergreen. Ça, c'est une caisse que je connais bien. Elle m'a déjà bien rendu. Maintenant, est-ce qu'elle va me rendre encore? Ça m'étonnerait, mais bon. D'ailleurs les gars, je pars à Malte d'ici fin du mois et je me tâte à vous faire un petit vlog. Le problème c'est que je ne suis plus du tout à l'aise avec les formats IRL étant donné que je n'ai pas fait de vlog depuis longtemps. Avant il y avait Fitness Fusion, on faisait des vidéos muscu, IRL, etc. Donc j'avais l'habitude. Maintenant c'est plus le cas, donc voilà, j'ai plus l'habitude, je sais pas du tout comment m'y prendre, on verra bien si je vous fais ça ou pas. En tout cas ce qui est sûr c'est que sur Twitch vous aurez des streams. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch. Je vais stream de là-bas avec mon téléphone et on va se faire kiffer un petit peu. Petit stream à Malte, on va se balader dans les rues de Malte. On va balayer des vieilles et tout, ça va être bien. Ok, cette caisse là je la connais pas. Et je vais continuer à pas la connaître, hein. Oh, quoique, vas-y, je veux bien approfondir la relation, vas-y, fais voir. Ouais, bah, on va arrêter d'approfondir tout de suite. Tout de suite, frérot. Hein. Ah ouais, on arrête tout de suite d'approfondir. La Ginger. C'est pas un roux, ça? Une autre chose qui finit par heure, mais c'est sûr, on saute de YouTube, frérot, si je le dis. Ok. Oh là là, frérot. Allez, les chances, regarde, les chances, elles sont où? 31%. Je tombe deux fois de suite dessus, 31%. J'en rouvre une, je retombe dessus, je pète mon crâne, hein, parce que c'est ça n'a aucun sens. Ok, ça va. Je tombe sur pire. Mais au moins, je tombe sur autre chose. Fairy Tail. Ok, 29. D'ailleurs, j'ai récupéré un skin, les gars, hein, si jamais j'ai withdraw off. Parce qu'il m'a unlock les skins que je pouvais withdraw et j'en ai profité pour withdraw. Du coup, j'ai récupéré ça. Ah, mais merde, j'ai trade. Oh, j'avais récupéré un classic knife fade et une paire de gants. Sauf que j'ai trade avec mon knife actuel pour avoir quelque chose de mieux. Putain, je suis con. Je veux vous montrer des trucs que j'ai pu. Mon cerveau malade, là. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai gagner une petite paire de gants. Parce qu'on est en hiver. Et que là, ça baise, frère. Stiletto, enfin, je suis récompensé à ma juste valeur. Voilà, putain. Oui, et je prends le top 2. Pas le top 1, mais le top 2, fais voir. Ah non, top 1, top 1. On l'a baisé. Allez hop. Amdoula. La mine, on va l'ouvrir. La mine, c'est une valeur sûre. Ne me déçois jamais, regarde. Petit knife. Petit knife. Petit knife, je l'avais annoncé. Frérot, quand j'annonce que ça va baiser, ça va baiser. Et en plus, je fais même du bénéfice sur la M4 juste au-dessus. Quand j'annonce la baise, ça baise. D'ailleurs, les gars, vous avez grave kiffé la vidéo non sponsor que j'ai fait là, où j'ouvre pour 500 balles. Bon, je pense que vous en doutez, je ne peux pas faire ça tout le temps. J'ai pas 500 balles à mettre par vidéo. J'essaierai de vous en faire de temps en temps avec des sommes différentes. Là, je vais à Malte. Je vais voir avec Rocknar s'il est chaud qu'on en fasse une ensemble, je remettrai 500$. Mais après ça, faudra se calmer. Parce que moi, frérot, je dois manger. I don't have les moyens, frérot. C'est de la merde. C'est caca de ouf. Ouais, caca de ouf. 1036. Je me demande, je vais faire quoi comme vlog à Malte? Je me demande un petit peu ce que je vais faire en vrai. Il y a des chances de trucs de fou, hein. Mais vive, hein. Ok. Ok, ok. 76, c'est pas où. Gamma knife. Je me demande vraiment, je vais faire quoi comme genre de vlog? Je pense juste où je vais me promener. Je vais parler avec vous. On va se balader dans Malte et tout. Ça peut être déjà sympa, tu vois. Ça peut être déjà sympa. Après, on a des jeux de société aussi à faire. On a une forêt de jeux de société à faire. Le problème, c'est que j'ai peur qu'ils dérapent, les frères. Les frérots, là, j'ai peur qu'ils dérapent sur des mots interdits. Quand on commence à parler des J, des Arabes et tout ça, frère. Je connais, frérot. Ça glisse très vite. Je connais les soirées glissantes. Nous, on sait que c'est de l'humour. Les gens ne le savent pas. Donc, ça peut très, très vite être mal interprété. Après, moi, vous me connaissez, hein, vous savez très bien comment je suis. Un gros détraqué sexuel, frérot. J'adore m'enfiler des chocs à pic dans le trou de balle. C'est ce que quelqu'un est en train de me faire, là, frérot. Un caisse à 400 balles, un skin à... Ouais, c'est comme ça. Donc, je suis une pute. Si, ah bah si frérot, je vois hein. Qu'on en ouvre 3 comme ça et après on va pouvoir aller upgrade. Les upgrades, je kiffe trop. Les upgrades, je kiffe trop parce que tu ouvres des caisses, tu dis putain, déficit de ouf et tout. Tu vas en upgrade, tu passes 1x5 ou 1x10 sur le bon skin et ça y est, tu rentabilises tout ton opening. Genre, admettons là, enfin mon opening, genre j'ai commencé à 1005, je me dis putain, ça fait chier, je rentabilise pas. Si je passe ça, j'ai rentabilisé mon opening et c'est full bonus derrière. Voilà. Je rentabilise 1500 balles en un clic. Voilà, comment on rentabilise? Je vous ai montré. Et là, en gros, tout ce qui est là, c'est full bonus. C'est incroyable. D'ailleurs, les gars, oubliez pas, hein, moi, je joue comme ça parce que c'est de l'argent que le site me donne. Mais vous, vous ne gagnerez pas autant. Parce que vous aurez pas les couilles de faire les mêmes moves, etc. Je vous invite surtout à ne pas jouer de la même manière que moi, en fait. C'est pour ça que vous gagnerez pas autant. Vous allez pas jouer aussi risqué parce que vous allez pas pouvoir vous le permettre. Parce que c'est votre argent, vous avez peur, etc. Et je le comprends. Je l'ai senti quand j'ai commencé à jouer mon argent sur les opening non sponsor. C'était pas les mêmes upgrades, hein, frérot. On a les x10 et les x5 sur les gros skins. C'était x1,5, c'est bien. Oh, j'aime bien. Mais tu vois, je commence à prendre goût à ces case opening non sponsor en vidéo. Vous me cassez les couilles là, à me faire faire des concepts comme ça. J'ai envie d'en refaire. Franchement, vous m'emmerdez. Hein. On va refaire un x10.
Et là, je vous montre comment on double son bénéfice, ok? Je vous montre comment on double le bénéfice. Et là, hop, je vous montre comment on fait pour faire du agro bénéfice. Merde, putain. Je vais les rentabiliser, frère, regarde, un clic. Ah! La conduite t'es mort! Je deviens sudiste depuis que je joue avec les autres clodo, là. Alors... Toujours pas. By the way, d'ailleurs, il faut que j'aille à Malte avec quelques concepts bien prédéfinis. Je pense qu'il va y avoir un case opening et un case non sponsor plus un sponsor. Et sur le case opening sponsor, il y aura sûrement un défi avec Vincent. Genre, je pense à chaque fois qu'il ouvre une caisse, il fait pas du bénéfice, je lui mets une claque. Je le gifle, je le couche. Genre, je prends une golden, frérot, je cours dans la rue pour la charger. Une fois qu'elle est chargée au moins à 90%, je lui claque une golden. Et ben, il y a pas mal ce case opening là, franchement. C'est pas mal ce qui est en train de se passer là. Alors, je vous montre. Ça va passer. 12%. Putain. D'ailleurs, la fuel injector comme ça, j'aimerais bien l'avoir en fit test, ta track. Parce que moi, je l'ai en. Très fatigué. Et du coup, ça se ressent sur le skin alors que je pensais que ça se ressentait. Bah ouais, CS2, ils font chier là, rajouter des trucs aussi. C'était bien quand les skins Bloodsport et tout, genre, on s'en battait les couilles de si elle était usée ou pas, c'était la même gueule. Ok, on va sûrement repartir uniquement avec ça. Hein, là, comment je suis parti là? Comment je joue? Ah, tu. Merde, je crois qu'on l'a quand même entendu. Appétissant. Frérot, il m'a laissé passer 1x5. Le site, il veut plus. Il m'a dit... Ouais, hey, oh, monsieur, monsieur, vous allez vous mettre bien combien de temps? Toujours pas. On a passé ça en 2-2. C'est le call est incroyable. Je vous jure, le call est incroyable. Et là, si ça passe, c'est Gucci. Chut, laisse-toi faire, laisse-toi faire. Eh, laisse-toi faire, je t'ai dit. Voilà, hop. On récupère ça, merci bien. On va aller s'ouvrir des petites caisses à la con. Genre ça. On va vendre le skin à 600 et on va l'ouvrir des fucanes longues. Je sens bien la fucane longue. Non, Prince. Caisse Prince, c'est ça qu'on doit ouvrir. Prince 240, j'ai assez. Tu vois, quelqu'un de normal, il aurait withdraw. Là, c'est juste que c'est de l'argent sponsor. Je peux me le permettre, donc je le fais. Là, on va aller s'ouvrir une caisse Prince. Je vais drop un skin à 1500. Vous allez pleurer sur le poulet. Et je vais vous aider à pleurer. Là, déjà, vous allez commencer à. Il y a des petites larmes qui vont couler, là. Là, normalement, tu vois, t'as une petite larme qui commence à couler. Tu te dis, ce fils de pute, comment c'est possible? Continue frérot, pas le print stream. Au moins la Azimov. Voilà, c'est mieux que rien. C'est 180, je crois. 150, allez. 127. On est rentable sur les caisses. On est rentable. Là, vous pouvez pleurer sur le poulet, tu vois. Je vais vous faire vraiment pleurer sur le poulet. Vous voulez pleurer. Eh bien, vous allez pleurer. Pardon. Bah, dernier upgrade, je pense. Ou alors, non. On va le vendre. Elle est où ma caisse préférée? Non. Tu sais quoi, elle m'a trop trahi, elle. Cette caisse, elle m'a trop déçu. Elle est où la Ruby chérie? Allez, me déçois pas. Des skins de zinzin quand même, non. Elle va me décevoir. End canon. Ah, 366, ok. My bad, je m'attendais à pire en fait, c'est pour ça. J'étais en train de m'énerver parce que je m'attendais à pire. Ok, on va terminer ça avec un petit x2, let's go. Qui va passer dans mon anus. C'est plus dans les veines maintenant. C'est tout dans le pétou, frérot, tout dans le cul. J'adore. 3187, regarde, je vous montre. Je vous montre comment on joue. Il faut que je vous montre pour être sûr. C'est pour être sûr. Hop, x10. Je vous fais voir comment on fait. Okay, dommage. Bon, ça et ça, on va garder simplement parce que prochain case opening, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de balance que 1500. Et je pense que ça sera un non-sponsor le prochain aussi. Donc, on va vendre. On a 2273. Est-ce qu'on arrondirait pas en ouvrant une Prince? Non, ça. Ou une. Allez, on va arrondir avec celle-là. Je sais que je vais avoir de la merde. Je l'avais dit. J'ai encore le nez bouché. Hein. Je suis désolé, les gars. On fait ça. On fait ça. Et on se laisse là-dessus, les gars. Pensez à vous abonner. Pensez à liker la vidéo. C'était Pimou. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Le giveaway, oubliez pas. Oh, pardon. Bobit. Hey.